shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore assemblés en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, dans l'évangile que nous méditons, le Seigneur nous demande de quitter nos maisons, de quitter nos zones de confort, de quitter frères, de quitter sœurs, de quitter père et mère, pour se rendre dans le lieu qui nous est destiné, dans ce lieu-là qu'il nous donne. Et dans cet évangile, le Seigneur nous fait comprendre ceci, qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés de Dieu, en ce matin, nous sommes réunis en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges, avec tous les saints et les saintes du ciel. Et par ces paroles que nous méditons aujourd'hui, nous voulons tout simplement dire au Seigneur, encore une fois nous nous abandonnons au pied de sa croix. Encore une fois nous voulons qu'il vienne nous prendre tel que nous sommes. Dire au Seigneur de ne pas se détourner de nous. En ce matin, bien-aimé de Dieu, je te dis ceci, Jésus lui-même, il s'est fait pauvre. Pourtant, il était si riche. Riche d'amour, riche de bonté, riche de miséricorde, riche de bienfaits, riche de toutes les délices du ciel. Mais pourtant, il n'a pas regardé à tout ça pour aller se donner pour toi et pour moi. Et en ce matin, je te demande pour cette journée particulièrement, dis tout simplement au Seigneur, fais monter cette prière au fond de toi en disant à Dieu, je me donne à toi tel que je suis. Je me donne à toi avec mes faiblesses. Je veux me faire tout petit comme un enfant pour pouvoir rentrer dans ton royaume, pour pouvoir avoir cette part du trône avec toi. Alors que ta main me conduit, alors que ta droite me saisisse tout entièrement. Chacun de nous ta main. Tu as posé sur nos familles, au sein de nos foyers, ta main. Alors, éternel Dieu des armées, que cette main ne cesse de nous conduire sur le droit chemin. Que cette main se saisisse de chacun de nous, se saisisse de nos foyers, de nos familles, mais aussi de nos nations. Éternel Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors ne permets pas que nous puissions nous égarer de tes lois,
que nous puissions nous égarer de tes préceptes, toi le bon berger de nos vies. Éternel Dieu des armées, en ce matin, je te confie et te consacre la vie de tout un chacun de nous. Je te confie et te consacre nos nations, nos foyers, nos familles, nos différents lieux de travail. Nous te confions également cette journée que tu nous donnes par ta grâce. Qu'il te plaise, Seigneur, que tes anges campent tout autour de nous, afin de monter avec tous nos soupirs, avec tous nos cris. Toi qui vis dans les siècles sans fin. Amen. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.